Les 10 insectes les plus dangereux et les plus meurtriers du monde. Numéro 10. Centipède géant de l'Amazonie. Avec une longueur maximale de 35 cm, le cien-en-pied géant de l'Amazonie est considéré comme le cien-en-pied la plus grande du monde. Il est présent en Amérique du Sud et des Caraïbes, et également connu comme le cien-en-pied géant péruvien avec une jambe jaune. Le corps de cette créature est composé de 21 à 23 sections bien marquées, chacun contenant les pattes. Le poison est puissant et fatal pour de nombreux petits animaux, mais pas pour l'homme. De fait, les morsures à l'homme provoquent une douleur insupportable, des fièvres élevées et une faiblesse systémique. Il pourrait être mortel seulement pour ceux qui sont allergiques aux toxines. Numéro 9. Fourmi projectile. C'est la piqûre d'insectes plus douloureuse du monde, appartient à la fourmi projectile, qui est également la fourmi la plus grande du monde. A une forte piqûre toxique et vit dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud. On appelle ainsi par le coup d'intense douleur transmettant les hachés. La douleur de leur ponction évalue, en fait, dans le quatrième degré, c'est-à-dire le maximum, de l'échelle de CMID, qui est le système d'évaluation de piqûres d'insectes pour entomologistes. La ponction peut produire des effets agonisants dans le récepteur jusqu'à 24 heures. Numéro 8. Caterpillard de ver à soie géante. Cette chenille d'aspect espeluznante réside en Amérique du Sud. Il est responsable de la mort de plus de 500 personnes chaque année. Oui, affecte également les êtres humains. La chenille géante a de petites soies qui libèrent une puissante toxine toxique. En fait, lorsque la toxine, libérée par les arêtes, parvient à la sang, détruit les plaquettes, et par conséquent, donne la possibilité de coagulation. Les organes, y compris le cerveau, sangrant et peuvent mourir par hémorragie cérébrale. C'est pourquoi il est également connu sous le nom de quillet caterpillard. Numéro 7. La mouche tsetse. De même que le moustique, la mouche tsetse, chupe à sang, mais il le fait d'une manière plus désagréable. La mouche a de petites indentations dans la bouche qui vont percer la peau. Ces insectes, outre la piqûre, ils transmettent aussi des maladies, comme la maladie du sommeil. Si une personne ne se soucie, l'infection est généralement fatale. Les symptômes de cette maladie commencent avec fièvre, maux de tête et des douleurs musculaires. La mouche tsetse vit essentiellement en Afrique et est la plus active dans la matinée. Les attaques contre l'homme, dans la plupart des cas, sont commises par des mouches mâlesmes, car les femelles généralement adhèrent aux animaux les plus grands pour se nourrir. Numéro 6. La mouche botfly. La mouche botfly semble une abeille, mais a plus de poils et moins truie, et vit au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Étant un insecte parasite, la femelle pond ses œufs chez les lapins, les mammifères, et souvent aussi chez les hommes. La chaleur du corps fait éclore les œufs fécaux, et les larves commencent à pénétrer dans la peau en creusant des tunnels. Entraîne une lésion douloureuse élevée dans la peau, causant de la zone touchée devienne dure. Parfois, lorsque le patient a une douche ou recouvre la plaie, peut aussi avoir le sentiment que les larves se déplacent. Sont éliminés avec une simple procédure chirurgicale, qui comprend l'anesthésie locale, ou peuvent également être expulsés appliquant d'eau pression, mais seulement dans certains cas. Les antibiotiques sont administrés après l'intervention petite, et de la plaie remède en moins de 2 semaines. Numéro 5. Abeille africaine. L'abeille assassinée, également appelée abeille africanisada, semble à la fois une abeille commune, que seul dans un laboratoire est possible de noter la différence. De même avec le poison, si vous n'êtes pas allergique à des toxines toxiques, les symptômes sont les mêmes, gonflement, rougeur et douleur. S'y rend pour son compte en quelques heures. La variété tueuse n'attaque que par groupe, donc elle est dangereuse pour les hommes. De fait, ces abeilles, si elles sont excitadas ou nerveuses, ils chassent les humains jusqu'à 0,4 km. Ceux qui sont persécutés, pour se sauver, doivent zigzaguer et chercher refuge le plus rapidement possible.
Et jamais salte à l'eau pour esconderte, parce que les abeilles vont attendre jusqu'à ce que tu partes. Numéro 4. Écrasant les fourmis. Ces créatures rompent avec les mandibules tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin, insectes, serpents, oiseaux et même l'homme, raison pour laquelle jamais mourront de faim. Se trouvent principalement en Afrique, dans les forêts. Elles utilisent leurs mandibules affilées à attaquer, grimper dans les arbres et arbustes, pour pouvoir obtenir une bonne vue de leur proie. Une fourmi concasseur, est grande et terrifiante et parfois peut mesurer plus de 2,5 pouces de long. Ils sont capables de hacher, mais rarement adoptent cette tactique défensive, confiant presque entièrement à ses puissantes mandibules. Numéro 3. Frelon géant asiatique. L'espèce la plus grande de avispone qui se trouve dans le monde, c'est le frelon asiatique géant. Vivent dans toute l'Asie de l'Est, mais se trouve principalement dans les montagnes du Japon. Se nourrit d'abeilles et de larves. Un avispo accent aigu ne peut capturer, avec ses mandibules meurtrières, à 40 abeilles domestiques en moins d'une minute. Le frelon géant asiatique a une piqûre de 6 mm, si puissant qu'il dissout le tissu humain. En 2013, les frelons géants d'Asie ont tué plus de 40 personnes et en ont blessé plus d'un 600. Numéro 2. Chenille velue cat. Le chat peludo, appelé ainsi que par sa ressemblance avec un chat domestique, est connu comme le ver plus toxique dans les États-Unis, et peut entraîner une douleur insupportable. Leur piqûre peut provoquer des brûlures, éruptions cutanées, tuméfactions, nausées, douleurs abdominales, maux de tête et un choc. Ceux qui sont piqués devraient laver la peau avec de l'eau et du savon, appliquer les paquetages de refroidissement et de mettre du ruban adhésif dans la zone, puis être tiré pour rasgar les poils à tascado. Se trouve principalement en Floride, mais il a également été détecté dans le nord du New Jersey et l'ouest du Texas. Numéro 1. Maricopa moissonneuse fourmi. L'insecte plus toxique du monde est la fourmi Cosechadora maricopa. Le poison consiste en acides aminés, de peptides et de protéines. La fourmi colle à la proie avec sa piqûre, et injecte le poison qui est 12 fois plus puissant que celui d'une abeille. Seul besoin 12 piqûres pour tuer une souris, et il faudrait environ 350 piqûres pour tuer un être humain. Lorsqu'une fourmi maricopa reprend ses victimes, libère Pheromona, qui indique aux autres fourmis dans la colonie à rejoindre l'attaque. La douleur de ponction, est également mesurée comme l'une des plus douloureuses sur l'échelle de Cmid, atteignant un niveau 3. Vit dans des zones désertiques, principalement en Arizona.